Allô? J'ai pas le micro depuis tout à l'heure, c'est ça? Allô? J'étais mute là? Ah merde, j'avais pas fait gaffe. Bonjour à tous. J'étais mute, pardon. Je parlais tout seul, comme un demeuré. J'ai aucun son. Oui, non, mais t'inquiète, c'est normal, là, y a pas le son du jeu et j'étais mute apparemment. Mais là, oui, j'étais mute. Quelle tristesse. Attendez, du coup. Voilà, et là, du coup, ce que vous pouvez me dire, comment c'est au niveau du son de ma voix et du jeu? D'après ce que je vois, ça a l'air d'être plutôt ok, mais je me rends pas compte à l'écoute ce que ça donne. Je lag énormément. Ça, c'est pas un problème. Hein. Moi j'ai aucun drop, donc ça vient de chez toi. Bon, personne me dit rien, donc je suppose que c'est ok. Donc voilà, comme je disais, aujourd'hui je vais faire du All Zone avec cadence, donc le game mode normal quoi. De toute façon, je vais pas stream pendant 8000 ans. Donc on va y aller tranquille. Donc All Zone en gros, c'est. C'est toutes les upgrades possibles. Mais je commence avec 3 coeurs et le but c'est de. Le but c'est de faire toutes les zones, comme son nom l'indique. Alors là du coup je joue avec un petit écran, enfin en fenêtre petit parce que j'avais pas pensé à améliorer le niveau pour un grand écran. Donc ça risque d'être pas terrible. Désolé. Oh mais y'a pas de soucis hein. Pas de problème. Y'a pas de soucis. Oula, y'a du monde là. Bonjour. Donc là, on aimerait bien trouver au moins une arme correcte, simplement. Bon, le boss était anecdotique. La chauve-souris, c'est le boss le plus anecdotique, je trouve. Enfin, le mini-boss, je veux dire. Le moins bon. Alors que les dragons, ça, c'est ma galère. Hein. Ça, c'est ma galère. Ah oui, au fait, je joue avec la bande son de. Merde. Avec la bande son de. À la soundtrack de. Chipzel. J'avais jamais osé, entre guillemets, modifier la bande son du jeu. Oh putain, c'est fort ça. Par contre, il y a des inputs qui sautent, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai raté des trucs tout à l'heure. Oui, je disais, j'avais jamais vraiment osé, entre guillemets, changer la bande son du jeu et de garder celle de base. Mais depuis que j'ai découvert celle-là, je l'utilise. Parce qu'elle est quand même vachement bien. La rapière, on a envie, hein, ça fait envie quand même. Mais il va me manquer un peu de pognon. 10 euros. Donc 10 euros. Là, je galère un peu là. Dites-moi aussi si vous voyez, si ça fonctionne en dessous du stream, il devrait y avoir un panneau avec les points que vous avez. Ceux qui sont bienvenus. Alors c'est des points, c'est des phobites. Je trouvais pas de nom, alors j'ai appelé ça des phobites. Salut Domakian. Et en gros, il y a des points si vous... Alors c'est un test, hein, je fais ça parce que ça m'amusait. Mais il y a des points genre si vous followez, si vous restez genre 10 minutes, un truc comme ça. C'est un peu fort la musique. Ah pardon. Ah bah tout à l'heure j'ai demandé, on m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis. Moi je veux bien baisser, hein. Allô? C'est mieux là? Dis-moi si c'est mieux. Mieux, ok, énorme. Bon, j'ai déjà une bonne armure, l'arme c'est pas terrible, mais on va s'en contenter. Alors ça non, ça par contre c'est ridicule. Sympa la scène, merci, j'ai mis tout mon amour. J'ai lancé Paint, j'ai appris à utiliser Paint. Alors normalement c'était pas gris normal, ça aurait dû être un dégradé de couleur, mais j'ai pas réussi. Je sais que c'est ridicule, mais mon niveau de graphisme en est là.
J'ai oublié ce que je voulais acheter. Oui, c'est la pomme, mais ça coûtait genre 25. Je pourrais y aller. Hein. À tout moment, j'aurais pu mourir comme un connard sur cette araignée. Chauve-souris, pardon. C'est toi qui es dégradé. Oh, j'avoue. J'avoue que je me dégrade carrément. Ouais, énorme. Là, j'avoue que je suis vraiment très dégradé. Alors, j'ai un peu fait le bourrin, là. Attendez. Là, comme ça devrait être mieux. Je suis mieux installé. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je trouve un moyen de mettre le jeu en plein écran chez moi, parce que là, c'est vrai que c'est quand même pas terrible pour jouer. Mais si je mets en plein écran, je crois que ça casse tout. Ouais, voilà. Il me semble bien qu'il y avait des histoires. Donc tant pis. Je joue comme ça. Allez, on est reparti. Là, il y a des problèmes de son, donc c'était normal si je suis mort. On va dire ça. J'aimerais au moins arriver quand même à la zone, zone 2. Donc, du coup, je suis reparti avec, avec zéro stuff. Il va falloir trouver des petits trucs assez rapidement parce que la dague qu'on a de base, putain, la dague qu'on a de base, elle est quand même pas terrible. Alors, ça, c'est déjà mieux. Ça me permet de toucher les. Ok. Ah, ces monstres, ils ouvrent pas les portes là. Ils ouvrent pas les portes comme ça. D'accord. Donc, oui, la grosse épée qui me permet de taper les trois cases devant moi. Ah, oui, non, mais en plus, j'ai n'importe quoi, les portes. Mais non, les portes en acier, c'est qu'elles se referment. Et du coup, les monstres, effectivement, ne peuvent pas passer. Mais même les portes en bois, les monstres ne peuvent pas les passer. Il y avait les. Ça a clignoté là, non? Ouais, voilà. Donc le shop, ce serait pas mal. Bah, ce qu'on cherche surtout, en fait, c'est des. Boost de dégâts ou de défense avec ce home. Bon, après ça file 0,5 de défense, hein, c'est pas non plus la folie, mais là je crois qu'on va y aller. Je vais tuer le petit lui là, voilà, histoire d'eux, et puis on va y aller, hein. Hop. Trois bombes. Pourquoi pas. Ah, il y a la souris mieux. Le curseur, c'est chez vous, comme dirait l'autre. Ouais, la broadsword c'est pas mal. Grosse épée. Je sais pas comment ça se traduirait, mais moi je traduis ça par grosse épée. Le magasin est fermé. Alors là, j'ai failli me faire la connerie de poser la bombe d'abord, je me serais trouvé con. Ah, réceptacle de cœur, ça c'est bien. Ouh, et l'épée. Oh putain, ça c'est de la bonne épée. J'ai jamais assez de pognon, mais. Même les bottes là, c'est pas mal, je crois. Je vais voir si je peux réussir à avoir assez de pognon pour prendre la grosse épée. Enfin. La longue épée d'obsidienne. Immunité aux bombes plus. C'est quoi? Plus 3 bombes. Bah, je préfère de la défense, hein, je crois. Hein. Non, ça sert à rien, je vais être bloqué quand même. Je pense que. Ouais, parce que immunité aux bombes, c'est bien, mais. Ah, c'est pas par là? C'est par où? Je suis aveugle, allô? Ah oui, mais c'est là où il y a la caisse. Bah oui, mais j'y vais comment?
stressé là. Ou alors je la pète à la bombe, mais c'est chiant. Ah non, c'est bon. On peut passer par là. Là, il y a un truc. À mon avis, j'aurai jamais 400 balles pour la... pour l'épée, donc il va falloir que j'aille acheter le... Ouais, y'a rien qui m'intéresse. Enfin, rien qui justifie que je paye un cœur en tout cas. Je vais m'acheter le truc qui fait du dégât quand je marche là. Je sais plus vraiment comment ça marche, mais... Ah, c'est moi qui en prends? Qu'est-ce que c'est cette connerie? Ah, c'est quand j'achète l'item, je prends les dégâts et ensuite j'en fais quand je marche. Je vais quand même bomber la caisse si jamais il y a un truc dedans. Qu'est-ce que... C'est quoi cette connerie là? C'est nouveau ça? Ah non, c'est que j'ai cassé la caisse en avançant dessus et il y avait un squelette dedans, c'est ça? Ah, et vu que j'avais jamais battu le boss, du coup c'est pour ça que j'ai eu ces petits bonhommes là à battre. Bon, alors, par contre, le jambon, c'est tous les jours, hein, vu que j'ai plus de vie. Il me faut deux argents. Meilleure musique, hein. La 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 la. Montez le son chez vous, hein. Ah, même la rapière, là, ça, c'est pas mal. Comme ça coûte 300, j'aurais jamais assez. Idéalement, j'aurais pas perdu de vie et j'aurais pas eu besoin d'acheter le jambon. Ouais, donc c'est ça, quand je marche sur les ennemis... Ah, ça c'est une grande torche, c'est bien. Quand je marche vers les ennemis, je leur fais des dégâts. Bicom, incorporeal... Ça m'intéresse pas. Ok. Ah, ça a brillé, j'ai vu. C'est là. Ouais, donc c'est pas mal. La 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 la. C'est pas mal, pour l'instant, ça se passe bien. Y'a que mon épée là qui est pas... Attends, j'ai 290, fais chier. Mais je vais bomber le magasin. Par là, je pense qu'il est plus court, plus rapide en tout cas. Ah, mais sinon, il y a du pognon ici. Oh! Nice line. Ça m'intéresse. Mais ouais, la rapière en argent, ça m'intéresse. En titanium, pardon. En titane. Parce que ça fait deux dégâts parce que c'est en titane. Et le principe de la rapière, c'est que je tape à deux cases de distance. Enfin, je tape au corps à corps et à deux cases de distance. Et si jamais je tape à deux cases de distance, je fais deux dégâts et je dash sur l'ennemi. Ce qui est pas mal. Et donc, la premier boss de la zone 1, enfin, boss de la zone 1, donc premier boss, Coral Reef, ça devrait aller. Sans mentir, c'est pas le boss le plus dur. Donc là, il y a une paire d'instruments qui va venir m'attaquer. Il suffit de les battre comme ça. Sauf que des fois, voilà, ils sont sur le côté et j'ai réussi à prendre un dégât à cause de l'eau. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est le vrai boss. Et je l'ai OS. Parce que je lui ai mis deux dégâts, plus un... plus un parce que j'ai dashé dessus. But this time he seemed more excited. He said he found it, some great treasure. Bon, la cinématique, voilà, c'est papa, il est parti, il devait trouver des machins et il est jamais revenu. Directions to a graveyard. Uncle Eli tried to stop me. Et mon oncle, il essayait de m'empêcher d'y aller. Mais papa, ça faisait deux ans qu'il était parti et il fallait que je le retrouve. Moi, je connais l'histoire, mais voilà, c'est ça l'histoire. Et donc, on se retrouve dans la zone 2. Qui est une zone à caractère forestière. Bravo, bravo pour ce dégât nul. Il y avait un piège, j'avais pas vu. Qui accélère le tempo.
Ah oui, parce qu'en plus, quand je dash. Ah oui, voilà, il me semblait qu'il manquait un dégât parce que le boss avait 4 HP. Je vous ai dit que j'en avais perdu 3. Et le dernier dégât, c'est grâce à ces fameuses bottes. Oh putain, mais c'est fort là, mon histoire. Là, voilà, je fais 2 dégâts, plus 1 parce que je leur fonce dessus. Et encore un autre grâce aux bottes. Et donc, c'est comme ça qu'il a pas eu ses 4 HP. C'est ça l'histoire. Bon, un étage assez simple. Bon, lui, on peut laisser le faire, il me fait de la peine tout seul. Voilà. Je vais quand même aller chercher le shop, histoire de voir s'il n'y a pas. Même si j'ai déjà du healing sur moi. Cette torche, elle est moins bien que celle que j'ai déjà. Ouh, ça c'est. Putain, ça c'est. Il manque un peu. C'est un anneau qui me fait un dégât de plus encore. Et qui fait que quand je kill un ennemi, je lui fonce dessus, mais bon, c'est déjà plus ou moins le cas avec ma rapière, donc... Par contre, là, j'ai clean tout l'étage, si j'ai pas de conneries. Je pourrais essayer de casser cette pièce en marchant dessus, si j'ai bien compris. Voilà. Oh, ça, c'est bien aussi. Ça me permet de voir tous les objets. Et je pense que je préfère ça à mon home, qui me donne que 0,5 de défense. 442. Merde. Hop. Je me sers l'anneau de courage. Et là j'ai un bon stuff. Non, j'ai pas d'armure encore. Ah, c'est vrai que défensivement c'est pas terrible. Faudrait une armure quand même. Bon, je reprends le home, mais pff. Le fait de voir tous les objets sur la map, je trouve ça quand même vraiment pas mal. Enfin, c'est agréable à jouer avec. Donc, je pense que je vais rester comme ça. Items, beacon, obsidian, irregularity. Ah non, c'est horrible ça. C'est quoi ce truc? Donc là, oui, j'ai la possibilité que tous mes items deviennent en obsidienne, mais que le rythme devienne irrégulier. Comme le boss, là, je sais plus comment il s'appelle. King Konga. Et c'est très chiant qu'il manque des tempos. Là, je regarde pas du tout la ligne en bas, enfin, à part quand je suis décalé, mais... Et là, c'est un dragon que j'entends. Merde, j'ai pris quoi. Et c'est un dragon rouge que j'aime pas. Et là, il me tue, hein. Mais heureusement, j'ai un stuff pas dégueu. J'ai quand même claqué le poulet pour régène. Ouais, il se passe quoi ici? Ah merde, je voulais pas vraiment y aller. Ok, bah pourquoi pas. Ouais, là je pourrais go direct. Merde, ça c'est rond. Non! Putain! Je l'avais pas vu en bas lui. Putain, j'avais un bon stuff là, fais chier. Ouais, je l'ai dit, c'est un défensivement, c'était pas terrible. J'avais pas d'armure. Mais je l'avais vraiment pas vu l'autre en bas là, le petit il était vraiment dans l'ombre. Ah si, là on le voyait. Ouais, je suis remonté, j'ai pris le squelette noir et du coup je suis mort. Le tatou, oui, le tatou. Le tatou m'a tué. Là j'avais tout acheté normalement. Parce que voilà, sinon au niveau du jeu, là j'ai fini, j'ai acheté tous les trucs. Au niveau des persos, j'ai quasiment tout. Il manque que Bolt. Il faut que je finisse le jeu avec Monk. Alors Monk, c'est super dur. Parce qu'il a fait vœu de pauvreté et dès que je prends du fric, je meurs. Et c'est beaucoup plus dur que ce qu'il n'y paraît. Non mais je vais repartir avec Cadence, j'aurais fait un All Zone. Après je changerai peut-être, mais pour l'instant je vais repartir en All Zone. On est reparti, il faut retrouver des bons trucs. De toute façon, je vais pas faire 8000 runs, hein. Vers 19h, je pense que je m'arrêterai. Tiens, en fait, de ma cliente, c'était toujours là. Putain, c'était toujours là. Tu peux me dire si, en dessous du stream, tu vois l'espèce de classement là, avec les faux bits. Ce setup, c'est un peu à l'arrache et.
Et je sais pas trop si ça fonctionne. Ok, énorme, merci. Ouais, énorme, ouais. Je sais pas si t'es dedans, je suis pas sûr. Je sais pas si t'es assez assidu pour être dedans. La torche, on va la prendre. Non, c'était peut-être une connerie. Hein. Une torche, c'est peut-être pas si utile que ça. Non, mais dans ce coffre noir, il y a une giga-arme. J'y crois dur comme fer. C'était une armure de merde. Mais une armure nonobstant. Ah, ça, c'est un anneau qui donne ouais, un plus 1 de dégâts. Mais je n'ai malheureusement pas 150 à dépenser. Et c'est quand même vachement triste parce qu'un plus 1 de dégâts, c'est quand même cool. Quoique là-haut, il y aura peut-être assez de pognon. Rebigos. Tu t'amuses bien. Ouais, ça va. Bah, j'ai choke la run comme un demeuré avant, mais mis à part ça, oui, c'est cool. Ça fonctionne. Normalement, la qualité est meilleure qu'avant. Hein. Normalement, là, vous êtes en 1280-720, vous êtes en HD, là. Hein. Et 30 FPS, et plus 25. Je pourrais sûrement monter à 60 FPS, mais j'avais un peu la flemme de tester. Maintenant que j'ai la fibre. Merde. Oui, le jeu est un pixel art, d'accord. Mais il aurait pu être dégueulasse. Oui, d'accord, le jeu est un pixel art. C'est quoi ce coffre de merde, la fois je t'ai pas vu. Le pacemaker, alors ça, si je me souviens bien. Le moment où je l'active. Oh putain, j'ai envie de tout acheter. Ah, je passe à l'argent. Oui, c'est un genre pixel art, mais. Mais je pense que ça reste plus vu mieux en HD qu'en 480p. Je pense. Et donc oui, le pacemaker, quand je l'active, je crois que je suis plus soumis au tempo. Et je peux spammer mes touches comme dans n'importe quel jeu. On va éliminer lui qui vient me faire chier. Et donc là, du coup, je vais essayer d'avoir le truc à 300 au shop. Et on devrait y arriver. Ah oui, mais non. si je joue comme un pied, non, on n'y arrivera pas. Bon, je vais refaire une, je meurs direct. Quand je meurs direct, je recommence. Mais à terme, faudra que je trouve une utilité au fameux point que vous gagnez en regardant mon stream. J'ai pas encore réfléchi à ce que ça pourrait être. Au revoir. Bah, à plus. C'est déjà deux fois que tu pars. Hein. Mais déjà, faut que je trouve moi comment vous pouvez les utiliser. Et ça, c'est pas gagné. Souvent, il va falloir configurer un bot ou un truc comme ça. Puis ensuite, c'est une commande, quoi. Bravo. Bravo pour cette décision nulle. Mais... Abruti! Ça, c'est l'ennemi le plus basique du jeu. Qui se déplace un temps sur deux. De haut en bas. Et je réussis à prendre un dégât dessus. Je peux sacrifier un cœur pour l'utiliser et régène. C'est peut-être con, mais je suis fier de moi. Et là-dedans, y'a rien. Y'a des pièges de ces morts. Mais l'escalier, là, je l'ai pas trouvé ici. J'ai même pas le shop non plus. Ça se passe par là-haut, je pense. Je suis quasiment sûr que ça se passe par là-haut. Voilà.
une torche de niveau 1. C'est OK sans plus. Bon, je vais arrêter de tourner en rond et puis je vais y aller. Ah non, mais non, j'ai toujours pas escalier, c'est ce que je disais, donc c'est en bas. Voilà, c'est là. Ah, le dragon vert. Dragon vert, ça va. Pourquoi il est bloqué, là? Qu'est-ce qu'il a? Ah, il y avait un machin qui gênait. Tac, on recule, tac, on recule, tac, on recule, tac. Ouais, dragon vert, facile. Le shop, il y avait rien, hein. Ouais, j'y vais. Là, il y a un shop. Attends, mais là, par contre, il y a du pognon dans le mur. Je l'ai vu. Le fromage, oui. Et même ça, là, pour voir tous les ennemis, c'est pas mal. Même l'épée, elle est pas mal. Mais l'épée, je vais la loot. Je vais loot une épée gratuitement, là. C'est pas mon choix le plus intelligent, encore une fois, d'aller au corps à corps alors qu'il y a 8000 ennemis. Mais, oh là là. Non, mais faut être quand même, hein. Pas être bien réveillé pour faire ça, hein. Tac, tac. Tac. Pourquoi il est gros lui? Oh, il m'a filé la balle de thune. Paf. Ouais, cette araignée elle est vraiment anecdotique. 220 balles. Moi ouais, je peux me payer des trucs là. Alors pas j'oublie que j'ai le fromage pour régène. En cas de problème. Je vais me payer les deux. Hop. Ça, je vois tous les ennemis. Et j'ai une longue épée. Basique malheureusement. Donc là, voilà, je me fais les deux à la fois. Hop. Lui s'est tué sur un truc. Ah oui, c'est une longue épée, mais elle fait qu'un seul dégât. C'est pour ça que j'ai pris. Elle meurt bien. Voilà. Ah, ça on pourra pas le récupérer. Un réceptacle de cœur vide. Ah oui, bien sûr. Et comme ça, je me régène. Et j'aurais bien aimé racheter le fromage derrière, mais je vais pas pouvoir, je pense. Il y avait pas une trappe là avant? Non, j'y arrivais. Il y avait pas une trappe avant que j'aille dans le magasin secret, hein. Et j'avais moyen d'avoir un peu de pognon là, non? J'ai tué tout le monde déjà. Un coffre, hein. Ah! Non. Alors les lunettes, Si, si, il y en avait une. Ouais, voilà, je peux arriver, hein. Ok, bon, bah, elle a disparu. Les lunettes de soleil, ça fait un dégât en plus, mais. Ça enlève la couleur des ennemis. Et des fois, ça peut être désagréable. Enfin, au niveau, je pense que non, mais. À mon niveau, oui. Par contre, pourquoi je joue comme un pied là, allô? Mais je sens qu'il y a de quoi régène au shop. Non, y'a rien du tout, y'a que dalle. Que de la merde. On va juste go. Ah, le stuff est quand même bien moins bon qu'avant. Hein. Tac. Là, ça a scintillé, j'ai vu. Hop. Je prends tous les résumes, on aurait pu me taper 8000 fois cette chauve-souris. D'accord. J'avais pas pensé que le. Enfin, ouais, non. Je justifie pas. Alors, ça, c'est un shrine qui permet d'éteindre les lumières. J'ai jamais encore compris l'utilité. Ah, ouais, une bonne torche. C'est juste sur le Red Dead Redemption. Ah, on peut après, hein.
Je peux télécharger la musique et mettre Darude Sensor, hein, c'est vraiment ça qu'il faut. C'est vrai qu'on pourrait faire ça, hein. Je fais ça. Merde, non, j'ai pas fait exprès de mourir. Je promets, j'ai pas fait exprès de mourir pour tester Darude Sandstorm, mais... Attendez. Est-ce que ce serait vraiment bien? Go faire ça, ok. Alors attends. Ah, ça va être quelque chose, hein. Return to lobby. Tac. Mais je sais pas, par contre, est-ce qu'il va falloir que je calibre le truc à la main ou pas? Déjà, faut que je la télécharge. Mais YouTube MP3, ça existe plus? Si? Ça existe encore? Il me semblait que ça existait plus. C'est pas très légal ce que je fais, hein. Personne ne dénonce. Mais c'est juste pour rigoler, hein. Après, je la supprime. Attends. Mais c'est quoi toutes ces emotes que t'as là? Ah, mais t'es abonné à un type. Pour ça, il me semblait que c'était pas les vrais emotes de Twitch ça. Alors attends. Custom music. Bah sur le niveau 1. Par exemple. Et alors là, je vais dans téléchargement. Processing, please wait. Je peux faire ça, hein. Après, ce serait con d'être ban Twitch pour ça, j'avoue. Mais est-ce qu'avec un viewer, je vais... Voilà, Darude Sandstorm. Je le mets sur les trois, sur tous les niveaux. On m'a offert un sub. Ah, c'est sympa, ça. Voilà, j'ai mis partout. Ah, je sens que ça va être quelque chose. Hein. Ce qu'il faut pas faire. Voilà. On va faire juste la zone 1 du coup. Rec. Ah, mais je suis en train d'enregistrer là? Ah! Bah bonjour YouTube alors, puisque ça ira sur YouTube sûrement. J'avais pas prévu d'enregistrer, mais puisque apparemment ça enregistre. Bonjour YouTube. Bonjour en retard. Ou alors je couperai juste avant. Et comme ça, il y aura que Darude Sandstorm. En exclusivité, Darude Sandstorm, c'est maintenant. Ah, c'est pas très rythmé ton histoire là. Ah, j'espère que ça change après parce que là je me fais vachement chier. Ah, oui, si c'est bon, ça accélère. Oh, putain! Mais c'est pas constant. Ah, c'est pas très fort par contre. Attendez, attends. Je monte le son. Ok, c'est bon. Est-ce que c'est audible? Putain, le son du jeu est giga fort. Ah, au secours! Ah, ça va pas du tout. Attends. Trop bas le son. Alors, est-ce qu'il faut que je remonte? Non, attends. Je vais remonter. Attends, le jeu. Où est le jeu? J'ai trouvé le jeu. Option. Oh putain, audio option. Alors, musique à fond. Et le son a baissé un peu. Voilà, comme ça. Ah voilà, c'est mieux là. Bon, maintenant que c'est tout bien réglé, on va retourner au lobby. Ah! Au secours. Pardon. Ah putain, au début, ça a vraiment pas vite. Dessus. Putain, ouais, là faut que je regarde un peu le rythme quand même. C'est bon, c'est parti. Là ça va être plus ou moins constant. Ah, c'est pour ce moment là que je stream sur Twitch.
Parfait. J'espère que t'apprécies. Hein. Dis-toi que tout ça, c'est grâce à toi. Ça va vite quand même. Hein. Oh putain, le son du dragon, au secours. Bon, ça empêche pas que j'ai essayé de jouer un peu comme il faut. Hein. Est-ce que ça va ralentir là ou pas? Ah, je peux accélérer là. Putain, bien aidé. Au secours. Les chiens énormes. Oh, ça me rappelle le stream de Zerator sur Melody Escape. Alors là, si je prends le truc, il y a un combat qui se lance, je vais essayer de le prendre en rythme. Oh énorme, j'ai réussi. Je suis très fier de moi. Je suis très fier d'avoir pris le... d'avoir pris la cote de maille en même temps que le drop de la musique. Attends, c'est un instrument pas très connu. Bah non. Ah, une grosse épée là, mais inaccessible. Puis je l'ai déjà en plus. Ah, je m'entends plus parler là. Ah, et du coup, je l'ai mis à tous les étages. Bonne idée ça. Ça sent vraiment chiant le début. Merde, je regarde plus le jeu, je regarde que la bit bar. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas eu le temps de dire. Je connais pas cet objet. Ouais, je pense que ce sera bien pour terminer. Je pense que ça va être ma dernière run. Je vais essayer au moins d'arriver au boss. Zone 1, j'aurais y arrivé. Oh, je l'ai OS. Faudrait que je la laisse jusqu'au bout, sur au moins un étage. Bon, cet étage, je la laisse jusqu'au bout. Celui de l'avant, je l'ai un peu rush. Vu que j'ai trouvé les trucs rapidement. Ah, je pourrais éteindre la lumière, vas-y, on fait ça. Quoi? Pourquoi je suis mort? Pourquoi je suis mort? Et c'est pas ce machin qui m'a mis 3 dégâts, c'est pas possible. Replay. Le replay maintenant. Mais si c'est lui qui m'a tué, mais j'avais 3 cœurs et une cote de maille. Pourquoi j'ai pris 3 dégâts d'un coup? Non mais au secours, la leçon... c'est fort, c'est trop fort. Je sais pas si je baisse le son sur mon PC, ça modifie sur le stream aussi. Ah mais attends, mais ça doit être mon item de merde que j'avais là. Comment ça s'appelait? C'était Joe, je sais pas quoi. Attention, la réponse tout de suite. Glass Joe, voilà c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est?
Bah, ça doit être ça qui a dû me tuer, mais c'est un objet que je connaissais pas. Attendez. Ah, c'est à double les dégâts que je fais, mais je meurs instantanément si je prends un coup. Ah ouais. D'accord. Ah oui, mais ouais, voilà. Les monstres doivent faire plus de dégâts, lumière atteinte. Non, non. Non, non, voilà, c'est ça. Enfin, du coup, avec le délai, tu savais pas, mais voilà, maintenant, on sait. Bah, du coup, faut que j'en refasse une, faut au moins que j'arrive au boss. Est-ce que je mets une autre musique? Peut-être. Non, mais là, c'est beaucoup trop fort, hein, pitié. Parce que le problème, c'est qu'en fait, il y a plein de musiques bien, mais qui marchent pas du tout dans le jeu, parce qu'elles sont pas si rythmées. Dans des Sandstorm, c'était bien. Est-ce que t'as une autre idée de musique rythmée? Ou alors est-ce que je repars avec Daroudé? Non, garde Daroudé. Dommage qu'il n'y ait pas plusieurs viewers, j'aurais pu faire un pôle. Moi, ce que je rêve de faire un jour, c'est ça. Hein. Jouer au Dance Pad. Alors ça, c'est vraiment ce que je rêve de faire un jour. Je réfléchis. Bah, réfléchis pas non plus trop longtemps. Il va falloir y aller. Hein. Bon, t'as pas l'air d'avoir d'idée. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais le tweeter pour la dernière. Pour essayer de faire venir des gens. Est-ce que ça, c'est pas une bonne technique d'influenceur, ça? Ça, c'est vraiment... Ça, c'est un bon point. J'arrive, hein. Twitter qui est sur l'écran, n'hésitez pas à me follow. Dans ce layout que j'ai mis beaucoup de temps à faire. Hop, on va jouer sur Daroudé Sandstorm. Non, j'ai mis une vidéo YouTube. C'est pas ça que je voulais faire. Putain, je suis un connard. J'arrive, hein. Twitch.tv/jkeur. Paf. Hop. Je me remets le chat. Et on est parti. Pardonnez-moi du retard. Ah mais là on n'entend pas assez. Est-ce que là le son est correct ou pas? Parce que je me rends pas compte quand je baisse le son sur mon PC si... ok. Qu'est-ce que t'envoies sur le Discord? Tu viens me perturber. Super, super dégâts. Bon, on est parti. Dernière run, et là celle-là elle va jusqu'au bout, hein, comme dit Luan. Bah voilà, j'aurais pu jouer sur Luan. Jusqu'au bout de Luan. Parce que ça aurait pas été pertinent. Là, j'aurais fait au moins 30k avec ça. Bon, allez. On va essayer de run un peu le truc quand même. Hein. Alors, pas en retournant au shop. Bah, quoique. Voilà. Allez, on a une vieille lance. Et on y va. Je rate des beats. Est-ce que le Minotaur est pas ultra calé avec la musique?
Qu'est-ce que c'est? Putain, mais c'est quoi tout ce système que je connais pas? Faut peut-être le péter. Et j'ai pas de bombe sur moi. Mais oh là là, j'ai pas le droit de faire ça. Ah mais attends, mais ça c'est une potion qui me régène si je meurs. Allez, on est parti. Round 2. Putain, le temps que je mets pour avoir une putain de porte quoi. Pourquoi il a pas ouvert le coffre? Putain, j'ai raté plein d'input. Hop. Le petit coffre. Je l'ai vu, hein. Hop, oh bah là c'est bon, là c'est gagné. J'aurais pu manger la pomme pour récupérer le cœur qui me manque. Paf, on recule, paf, on recule, paf, paf, paf. Le shop est fermé, j'ai 4 bombes. Ah, je vais pouvoir aller ouvrir le truc. Non, c'est à l'étage d'avant. C'est à l'étage d'avant, hein. Bah j'ai un truc là, j'ai ça. Ah, je peux prendre le pacemaker pour défoncer le boss. Je régène comme ça. Je dis ça et je vais mal l'utiliser, je vais perdre. Ça va être énorme. Bon, pour profiter un peu de la musique, je vais aller explorer là-haut. Pour récupérer, voilà, 3 bombes. Bon, ça c'est un peu exotique, mais ça a fonctionné. Allez, on va y aller. Si je me dépêche, je peux y aller en rythme. Non. J'ai décidé que non. Le début c'est vraiment chaud hein, d'aller dans lentement comme ça puis d'accélérer. Qu'est-ce qu'il a lui, il est con? Eh ben, allez, rage pas hein. Ah par contre le boss ça va être la vraie musique de boss hein, désolé. Là, le shop à gauche on l'a vu. Ah non, on préfère ça. J'aime pas trop les armes gold, moi. Après, si c'est une rapière. Si c'est une rapière, pourquoi pas. Oh putain, j'accélère le tempo. Ah, c'est un délire, hein. Les armes en gold. Au secours, le jeu lag. Le jeu lag. Les armes gold, je vais y arriver. C'est que je fais plus de dégâts juste après avoir récupéré de l'argent. Pourquoi j'ai... Au secours, mon jeu, il pète les plombs. Je vais mourir. Je vais tellement mourir. Ah mais j'ai encore une vie, je suis con. Grâce à la potion. Ah, King Konga. Typiquement pour... La raison pour laquelle j'ai pas mis de la roulée sur les boss, c'est ce boss. Qui fait 1, 2, 3...
3, 4, 5, 6, 7, et il manque un temps. Bah du coup c'est super fort. Au secours. C'est beaucoup trop fort. Au secours. Dad was always coming and going on his adventures. But this time he seemed more excited. Donc j'étais plus soumis au tempo, donc j'ai défoncé tous les ennemis. Voilà, je résume vite fait. Et c'est la même scène tout à l'heure. Et c'est quasiment pile 19h. Donc c'est énorme, je vais m'arrêter là. Directions to a graveyard. Uncle Eli GG, merci. But Dad had been gone for 2 years. C'était beaucoup trop fort la musique à la fin. Bah merci d'être passé et d'être resté jusqu'au bout. J'ai vu que t'avais streamé là ces jours, mais jamais quand j'étais dispo. Mais je repasserai sur ton stream un de ces jours. Puis je vais te host avec mes 10 000 followers. Tu seras bien content quand tu restreameras la prochaine fois. Allez, je vais arrêter l'enregistrement.